Le Soudan du Sud a réagi aux sanctions imposées par les États-Unis qui ciblent les hauts responsables du gouvernement. Le ministère sud-soudanais des Affaires étrangères a déploré cette décision, indiquant que ces sanctions risquent de compromettre les efforts de paix. Le gouvernement sud-soudanais a ainsi exhorté Washington à reconsidérer. Plus de cette semaine, le gouvernement de Trump a imposé des sanctions contre le ministre sud-soudanais de l'information, Michael Makuei-Luwet, l'ex-chef de l'armée Bolma Long et un haut responsable de l'armée populaire de libération du Soudan, Malek Roben. Les sanctions ont également ciblé trois entreprises sud-soudanaises appartenant au chef de la défense. Les États-Unis ont déclaré que ces officiels sont responsables de la violence au Soudan du Sud.